Et coucou, alors on va se faire une petite vidéo sur le thème de Pâques. Donc la vidéo sortira le lundi 28 mars et je vais essayer de vous faire d'autres tutos sur le thème de Pâques pour le 4 avril et le 11 avril, sachant que Pâques c'est le dimanche 17 et le lundi 18. Vous avez le dimanche de Pâques, donc le jour de Pâques, et le lundi de Pâques. Donc du coup, la carte va s'ouvrir taille basique, quoi, sur une ouverture basique. Donc pour vous, ça sera sur votre gauche, comme ça. Moi, là, quand je l'ouvre en haut, parce qu'en fait, moi, je suis mise comme ça, face à vous, là, comme ça. Et là, je suis obligée de mettre mon trépied sur le côté puisque je ne peux pas faire autrement. Donc, du coup, voilà. Donc là, sur votre gauche, vous avez le meuble, un meuble de rangement que j'avais acheté à Babou, pas à Babou, à Primark, donc en plexiglas. Et sur votre droite, vous avez moi. Donc, du coup, la carte s'ouvrira sur votre gauche à vous. Et en haut pour moi. Donc, je vais utiliser. Je ne vous ai pas dit dans le précédent tuto les dimensions. Je vous les mettrai en barre de description. Je vous les noterai en barre de description si j'y pense. Voilà. Parce que généralement, je vous les donne, mais là, je ne vais pas vous les donner pour la première vidéo. Mais là, pour cette vidéo-là, je peux très bien vous la donner. Donc, sur une base de 21 sur 13 sur 14,4, il y a un pli à 10,5. Donc soit vous les faites sur les cartes de chaque champ, soit vous pouvez très bien les faire vous-même. Ensuite, je prends une base à motif ou sans motif, donc papier uni ou avec motif. Là, en l'occurrence, c'est un motif parce avec des petits brindilles. En revanche, ça se voit un minimum quand je le collerai, voilà, quand je collerai mon papier à motif, ça se verra un peu. Vous pouvez mettre directement du papier uni. Et j'ai pris un papier à motif avec des œufs de Pâques dessus. Derrière, il y a des lapins. Et là, derrière, il y a des petits triangles. Voilà. Donc là, du coup, il va vous falloir une base que vous allez venir coller sur la base principale de 10 sur 14,4. Après, il va vous falloir une deuxième base de 9 sur 14 que vous allez venir coller sur votre base verte. Après, alors ça, là, ce que je... Donc, la base de carte, là, vient de chez Action avec son enveloppe qui est ici. Les deux bases là viennent du Passion Carte Créative. La bande de washi, enfin le faux washi vient du Passion Carte Créative. Et le die cut vient de chez Passion Carte Créative, donc le magazine toujours. Et des petits stickers Pâques et printemps que je vais utiliser qui viennent de chez Lidl. Voilà. Donc, du coup, nous allons commencer. Et le petit sentiment pour célébrer Pâques. Voilà. Donc, du coup, là, il va falloir que je mesure. Voilà, donc il va falloir que je coupe ici. Je vais venir le coller directement avant de coller la base principale. Voilà, bon, il va manquer un petit bout, mais c'est pas grave en soi. Mais un peu plus droit quand même. Ça, au moins, ça, on n'en parle plus.
après, je viendrai cacher certainement ou pas. Voilà. Voilà, ça ira très très bien. Voilà, donc ça, je vais venir le mettre de côté. Ça, on va venir découper le petit œuf qu'il y a. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je le ferai après. Ça, je le mets là. Ma base de carte, je la mets sur le côté. Je viens coller. Je viens prendre ça. Je viens. En coller ma base. Ma deuxième base principale. Pour la coller sur ma base. Sur ma base 1. Donc la base 1, je rappelle, ou peut-être que vous ne le savez pas, ou peut-être que vous le savez, mais je fais un rappel pour celles qui le savent. C'est la base de carte double que je viens de vous montrer. Qui fait 10,5 sur 14,8 en centimètres. Donc, voilà, je centre bien. Voilà, c'est très important de bien centrer vos papiers quand vous les mettez sur votre base blanche ou craft ou noir. Ensuite, je viens prendre celle où je suis venue mettre le washi, enfin le faux washi. Donc la bande de washi en papier. Voilà. Voilà, donc je viens en coller. Ma base de papier. J'insiste bien. Ils sont trop beaux ces petits lapins. Donc ça pareil, faites attention à ne pas vous tromper de sens quand vous mettez votre base. Hein, c'est très important. Parce que si votre carte s'ouvre sur le côté, ça, faut que ce soit en haut, en fait, ici. Voilà. Donc moi, ça je le mets face à moi. Donc du coup, ça sera ça en haut. Donc direction rangement en plexi là. Voilà. Donc du coup, pour moi, ça donne comme ça. Pour vous, ça s'ouvre vers le bas. Mais en fait, ça s'ouvre sur le côté si je le mets face à vous. Comme ça. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je viens prendre mon petit sentiment. Alors là, je vais essayer de le recouper un petit peu. Donc ça, je vais le mettre là, au niveau du haut, parce que ça me plaît pas. Bon, c'est pas droit, hein. J'arrive pas à couper droit. Voilà. J'ai pas envie de le mettre sur une découpe. J'ai envie de le laisser comme ça. Et pourquoi pas les mettre là-dessus. Ou alors le mettre en haut, ici. Ici. Ou alors de le coller un peu. Là, je pense que je vais le coller comme ça. Donc ça donne déjà ça pour vous. Voilà. Ensuite, je vais mettre
Mandai cut, petite poulette là. Je vais la mettre ici. Et je pense que je vais mettre des œufs de Pâques. Mais d'abord, avant de coller, je vais voir si je mets pas un œuf de Pâques là. Ou alors mettre un panier de Pâques, le panier là. Éviter que ça fasse vide. Ah mais si c'est déchiré. Voilà. Donc le panier de Pâques. Il est un peu de travers, mais c'est pas grave. Ça fait plus ferme en fait, plus animaux de la ferme. Donc je vais pas l'utiliser dans le tuto. Je vais le mettre de côté. Ensuite ici, j'ai bien envie de mettre un œuf. Et mettre comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai bien envie de mettre un petit piou-piou. Si j'arrive à le prendre, à le décoller. Et le mettre. En mettre un ici. Un comme ça ici. Voilà, donc ça, c'est bon. Je vais prendre d'ici. Je vais prendre ce petit arrosoir avec les fleurs dedans. Si j'arrive aussi. C'est pas simple des fois quand tu veux un sticker et que tu n'arrives pas à le décoller. Voilà. Je vais venir le mettre ici, là. Je vais prendre le petit escargot que je vais mettre ici. Après, on va venir coller l'œuf là. J'ai celui-ci aussi. Je pense que ça ira. Peut-être ajouter un papillon.
On va coller. Après, je vais voir. Je verrai ce que je vais rajouter. Je pense que je vais laisser comme ça après. Ça ira très très bien. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bye bye. Là, je vais faire quand même. À tout à l'heure. Bye bye.